Cet épisode commence avec Kika, qui demande à Roméo quand est-ce que ça va finir entre sa cousine et lui, et l'embrasse. Lola les aperçoit, et s'en va immédiatement. Pendant ce temps, Columba dit à Gaël qu'il perd la tête, et lui demande si on l'a ensorcelé. Il répond qu'il en a marre de gaspiller sa vie avec elle, et préfère poursuivre avec la femme qu'il aime vraiment. Son père lui dit qu'il n'est plus un adolescent, et dit que cela affectera la conception des investisseurs envers lui. Calixto veut parler, mais Gaël lui demande de se taire, et dit qu'il est un homme libre. À l'hôpital, Léona dit à Anna Julia et Benji que ses enfants auraient eu leur âge. Anna Julia lui demande où ils sont, elle répond qu'ils ont été enlevés, Anna Julia lui demande si elle les connaît, elle répond qu'ils sont en vie, et elle espère leur dire un jour qu'elle est leur mère. Anna Julia et Benji lui demandent de compter sur eux pour l'aider à trouver ses enfants. Elle est toute contente, et les remercie. De son côté, Davis est tout malheureux de perdre Léona, sa sœur lui dit qu'elle est juste déterminée à rendre justice. Il dit qu'il va devoir faire la même chose, et sortir avec Columba. Choqué, sa sœur lui demande ce qu'il veut faire avec cette vipère. Au même moment, Columba est folle de rage, Gaël lui demande d'arrêter son cinéma, et elle lui demande d'où lui est venue l'idée stupide d'épouser cette femme. Ils répondent que c'est une opportunité pour lui de reconstruire sa vie, et dit que l'amour ne s'explique pas. Puis, il lui demande de s'en prendre à lui, pas à ses enfants. Elle dit que s'il veut vivre avec ses enfants, il va devoir vivre avec elle sur le même toit. À l'école, Mathias va avec son fils voir Jacinta. Au même moment, Kika dit à Lola qu'elle est une chienne, Lola est triste, et s'en va. De son côté, Anna Julia regarde une photo de Théo, et se demande pourquoi il lui manque autant. Roméo lui demande qui c'est, elle dit que c'est Théo, il se fâche, et lui demande pourquoi elle le regarde avec des yeux d'amour. De l'autre côté, Jacinta apporte à manger à Mathias et Danilo. Elle lui parle de Flora, sa fille policière, et Danilo pose des questions sur les policiers. Flora retourne ensuite au poste de police. Lola court faire un câlin à sa mère. Pendant ce temps, Ramsès dit à Gaël qu'il ne peut pas faire de Léona une Tornegro. Gaël répond qu'il l'a déjà obligée une fois à abandonner l'amour de sa vie, et il ne le fera plus maintenant. Il ajoute qu'il épousera Léona qu'il le veuille ou non, et Ramsès dit que c'est la pire décision de sa vie. Au même moment, l'homme de Ramsès mène des recherches sur Léona et David. À l'hôpital, Léona, Itzel, et Consuelo se réjouissent, car elles peuvent enfin rire après ce qui s'est passé. De son côté, Anna Julia dit à Roméo que c'est normal que Théo lui manque, car il est son ami, et il passe un moment difficile. Elle ajoute qu'il n'a pas à être jaloux, il dit qu'elle a raison, mais il n'aime pas quand elle regarde une autre personne avec ses yeux d'amour. Elle dit qu'il n'est pas son propriétaire, il s'excuse, et demande si elle ne l'aime pas. Elle répond qu'elle a accepté d'être sa petite amie par amour, et il l'embrasse. Au même moment, Jacinta dit à sa fille que ça lui fait plaisir de la prendre dans ses bras. Mathias veut les laisser seuls, Jacinta lui demande de lui promettre qu'il reviendra, et le présente à Lola en tant que son ami. Lola le supplie de ne dire à personne que Jacinta est sa mère, il dit qu'il ne sait pas pourquoi elle a honte de sa mère, elle le supplie de ne le dire à personne. Et il accepte, elle demande s'il veut sortir avec sa mère, et dit qu'elle vient juste de se séparer de son père. Choquée, sa mère lui dit qu'elle agit encore de façon stupide alors qu'elle pensait qu'elle venait se réconcilier avec elle. Lola dit qu'elle a fait une erreur de venir la voir, car elle est une imbécile, et s'en va. Jacinta dit à Mathias que c'est un peu compliqué avec sa fille, et retourne à la cuisine. De l'autre côté, Benjamin va chez Gaël. Il contemple les endroits, Ramsès le surprend, et lui demande de ne pas toucher ce qu'il ne peut payer, puis, il lui demande ce qu'il fait là. Il répond qu'il vient voir Gaël, Ramsès lui dit qu'il est de la basse classe. Benjamin dit qu'il est coiffeur, et peut le coiffer s'il le veut. Gaël arrive,
et demande à son père pourquoi est-ce qu'il insulte Benjamin. Ramsès dit qu'il insulte qui il veut, et lui dit que c'est absurde de vouloir employer quelqu'un comme lui. Gaël lui dit qu'il a commencé à travailler avec lui à l'âge de Benjamin, et Benjamin dit qu'il veut juste un travail pour soutenir sa famille, même si c'est laver les toilettes. Ramsès dit ensuite à Gaël qu'il sera l'esclave de son échec, et s'en va. Gaël demande à Benjamin de ne pas s'inquiéter. En cellule, Théo dit à David qu'il paierait tout pour soutenir sa famille à l'hôpital. David dit qu'ils espèrent qu'il sortira sous caution. Théo lui demande qui les soutient, et David lui dit qu'ils sont contraints d'accepter le soutien des Tornegro. De son côté, Jacinta va à son premier jour à l'université. De retour à la maison, David parle de son désespoir à Benjamin. Le petit lui dit qu'il l'aidera à trouver une autre fille en ligne, mais il dit que l'amour n'est pas aussi simple. Il prend ensuite son neveu dans ses bras. De l'autre côté, Colomba dit à Jérémy qu'elle ne lui donnera même pas un centime de son argent si Léona ne meurt pas. Gaël vient dire qu'il veut parler à ses enfants, elle demande ce qu'il en dit de sa proposition, il accepte qu'ils vivent sur le même toit, et demande si elle est prête à vivre avec Léona, car il va l'épouser. Olivier arrive, et saute sur son père. Il dit à ses enfants qu'ils lui ont manqué, et dit à Kika qu'il a appris qu'elle a fait une crise. Il dit que c'est parce que leur mère ne lui a pas permis de les voir. Il dit que c'est vrai qu'il est amoureux d'une autre, Kika dit qu'elle est sûre que c'est cette foutue Léona, mais son père lui dit que Léona est une femme formidable. Pendant ce temps, Colomba les entend parler, et est très énervée. Kika dit à son père que s'il épouse Léona, elle ne retournera pas avec lui, puis, elle s'en va. Olivier dit à son père qu'il le soutient. Colomba dit que si Kika ne va pas, Olivier n'ira pas non plus. Gaël dit à sa fille qu'elle fait erreur, car Léona les aime, et va les protéger. Pendant ce temps, Léona et sa famille sont de retour à la maison. Consuelo s'inquiète pour Théo, Léona lui dit que Gaël veut organiser une cérémonie pour la demander en mariage. Consuelo lui dit qu'elle n'aurait pas dû aller plus loin, mais elle est très déterminée. Cristobal arrive, sa femme lui demande comment va son fils, et si on a accepté la caution. Théo entre dans la pièce, et elles sont très émues. Pendant ce temps, David fait des exercices avec Camilla, et lui demande d'essayer de se lever seule. Il l'encourage, et lui demande de faire un pas. Elle réussit, et est très heureuse. Elle lui avoue qu'elle l'aime, et il reste sans mots. De l'autre côté, Colomba retourne à la maison avec ses enfants, elle dit qu'elle a accepté de se sacrifier pour ses enfants, et ils vivront ensemble comme une famille heureuse. Gaël leur dit que la cérémonie de fiançailles avec Léona se fera aujourd'hui. De son côté, Ramsès est fou de rage à cause de la présence de son frère. Il brise tout sur son passage. Chez Léona, Consuelo parle avec sa famille de son opération. Théo demande à Léona si c'est vrai qu'elle va épouser Gaël, elle dit que oui, et ajoute qu'ils vont fixer la date du mariage cet après-midi. De l'autre côté, Camilla dit à David qu'elle est complètement tombée amoureuse de lui, il répond qu'elle est une femme extraordinaire, mais l'amour qu'elle ressent pour lui est impossible parce qu'il aime une autre. Elle dit qu'il avait dit que sa relation était en pause, mais il dit qu'il préfère ne pas en parler. Il lui parle de son mari, elle dit qu'elle ne ressent rien pour Calixto, et dit qu'il pourrait se donner une chance. Mais il dit qu'il est désolé. Calixto arrive, et demande à sa femme si cet employé la dérange. David lui dit que Camilla a réussi à se lever, et il fait semblant d'être heureux. De son côté, Josepha est heureuse de revoir ses petits-fils, et demande comment c'est possible de divorcer, et vivre sous le même toit. Colomba demande aux enfants d'aller dans leur chambre, Gaël dit à sa mère que c'était la condition de Colomba pour le laisser voir ses enfants. Colomba dit qu'elle est convaincue que l'histoire de Gaël et Léona sera passagère, et Gaël lui dit que la chambre d'amis est déjà prête pour elle. Josepha dit à son fils qu'il va s'écraser, car Colomba sera un énorme obstacle.
Il dit qu'il a des informations sur le vol de Columba à l'entreprise, et il les utilisera le moment venu. Il demande ensuite son soutien pour la cérémonie de fiançailles avec Leona. Elle dit que c'est très précipité, mais elle est convaincue que Leona est une bonne femme qui le rendra heureux. Elle lui demande de ne pas négliger son travail avec son père, il la remercie, et elle dit qu'elle l'aime beaucoup. Dans sa chambre, Calixto regarde ses plaies à la jambe, et se parfume. Au même moment, Leona s'apprête, Consuelo lui dit qu'il est encore temps de revenir en arrière, mais elle dit qu'elle n'a pas une autre option. Elle ajoute qu'elle est sûre que c'est Columba qui est derrière ce qui leur est arrivé, et elle ne doit plus la laisser les menacer. Puis, elle demande à Consuelo d'être sereine. Consuelo lui dit qu'elle l'aime, et lui fait un câlin. Leona se souvient de la demande en mariage de David. Au même moment, Columba dit à David qu'ils doivent empêcher le mariage de Gaël et Leona, puis, elle se met à le séduire. Elle lui donne ensuite rendez-vous, et il lui demande de juste lui dire le jour et le lieu. De l'autre côté, Apollo demande à Ramsès ce qu'il a fait dans sa chambre, il répond qu'il l'avait prévenu de disparaître une fois pour toutes. Apollo lui dit qu'il a détruit le tableau de son fils, Ramsès lui demande la vraie raison de son retour ici, et demande s'il veut le prendre sa femme. Apollo répond qu'il rêve de libérer Josepha, Ramsès dit qu'il le tuera. Apollo dit qu'il sait qu'il est un meurtrier, et lui demande quel autre crime il a commis. Ramsès lui dit d'arrêter sa stupide mission, car Josepha ne quittera pas son époux.